Eh bien, bonjour mes amis. Désolé pour l'intro de le faire à mon domicile. Je n'ai pas fait d'intro. J'ai été faire un petit 48 heures à l'étang de Venat. Et je suis arrivé. Oh, ça faisait la nuit, quoi. Ça fait des nuits. Donc, c'est un plan d'eau qui fait à peu près 7 hectares, hein. Je me suis installé à peu près sur le même poste que j'ai déjà pêché l'année dernière. Et puis, comme j'avais pas envie d'amorcer hier soir, avec la route, il y a eu la fatigue. Donc, j'ai décidé de pêcher au fil soluble. Donc, j'ai mis des petites bouillettes coupées, des bouillettes entières, et j'ai attaché ça à chaque canne et j'ai envoyé ça. Voilà, j'ai pêché comme ça la première nuit. Voilà, donc déjà premièrement, je vais vous envoyer la vue et le paysage du plan d'eau avant le résultat de la nuit. Voilà. Allez, je vous envoie ça tout de suite, mes amis, puis je vous reprends tout à l'heure. Maintenant, vous avez vu à peu près où je suis installé. Un beau plan d'eau, je trouve. Et ben, la nuit, elle était bonne. Parce que rien qu'au fil soluble, la première nuit, à 1h30, je fais un beau départ. Je fais une belle miroir à peu près de 10 kilos. Et après j'ai retendu ça avec mes nouvelles bouillettes, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure là, les bouillettes vertes. Hein. Après, vers 6h du matin, je refais un deuxième départ, mais alors là c'était un vrai petit bijou. Hein. Pour vous dire que c'était un vrai bijou, hein. On aurait dit vraiment une tarte aux pommes. Comme vous voyez, hein, sans amorçage, sans rien,
on arrive à faire du résultat. Allez, je vous envoie tout de suite ce deux magnifiques poissons de la première nuit. Un beau poisson. Elle a un beau bidou. Elle a un beau bidou bidou bidou. Elle a un beau bidou. Hein? Voilà. Les poissons cette nuit. Magnifico. Je vais vous la faire voir sur la deuxième face. Allez. Laisse-toi faire. Et après on t'horloge. Vite fait. Hein? Allez, sois gentil. Magnifique au poisson. De la nuit là, une belle petite tarte aux pommes, à mon avis c'est une tarte aux pommes, et puis on ne va pas se laisser faire depuis tout à l'heure, et ben une autre, allez, viens voir papa, fais-toi voir comme t'es belle, à part la bouche, hein. Allez, on va sur la deuxième phase, parce qu'elle ne veut pas se laisser faire, hein. Elle n'est pas commode, hein. Un beau bijou ça. Allez, allez, encore une fois. Hop. Voilà. Allez, hein. On va pas t'embêter plus là. Voilà. Donc, comme vous avez vu, avec le nouveau parfum, là, puis comme moi, je commence à faire un petit peu de fatigue pour rouler mes bouillettes et puis à trouver mes produits, j'ai beaucoup de difficultés. Donc, j'ai dit qu'à l'âge que j'ai, je vais commencer à être un petit peu raisonnable et puis travailler pour une marque. Une marque pas très loin de chez moi que j'ai voulu essayer. Donc, pour l'instant, ça m'a apporté deux poissons. C'est la marque Ultime Bête. Avec les Monster Mussels, que j'ai fait les deux poissons. Une très bonne marque apparemment, donc qui me donne déjà du résultat. Mais je ne dis pas que je ne roulerai toujours pas mes petites billes poissons sardines à rang, hein, celles qui m'entendent rapporter de poissons, mais juste pour mettre un hameçon et puis juste faire un petit pot pour partir tranquille avec. Voilà, ça sera mes sauf-capots. Donc, maintenant, je vais vous faire voir comment je blinde mes bouillettes
avec la marque Corda. C'est tout simple, vous allez voir. Je vous envoie ça. Go! C'est les protections, protection Corda. Moi, je prends pour les bouillettes de vin, je prends du 13-22 mm. Vous en coupez à peu près, moi je compte à peu près 3 trous. 3 trous. Voilà. Voilà. À peu près 3 trous. Bon. Voilà. Le petit bout de 3, à peu près 3, vous voyez, vous rentrez votre bouillette dedans, de 20 mm, et vous la passez à la vapeur, ou dans de l'eau chaude que vous faites chauffer. Voilà, une petite recette, c'est simple, et je peux vous dire que ça protège bien. Allez, à plus, avec un poisson. Donc après ben, j'ai amorcé ce matin là, puis la journée n'a pas été très très concluante, hein. J'ai eu une débourrasque de vent, j'ai eu beaucoup de pluie. Je vous refais voir encore un petit peu le plan d'eau. Et puis on va voir ce que ça va donner avec un amorçage à peu près à 80 mètres en plein eau. Hein. 80-90 mètres en plein eau. Hein. Avec les monstres mucelles de chez Ultime Bet. Voilà. Donc, je vous reprends ce soir si j'ai un poisson, mes amis. Mais à mon avis, le résultat, il n'a pas été très bon. Allez, à tout à l'heure. Que dire? À part qu'on a eu de l'eau toute la journée, à rester dans la tente toute la journée parce que ça a pissé quelque chose. Hein. De l'eau, on en a eu. Hein. Mais enfin bon, j'ai pas eu de touche. Ça y a pas touché depuis ce matin. Et puis, on va commencer à y amorcer. Et puis, je vais y remettre, j'arrête les quatre lignes. J'en ai remettre une au poisson sardinarant. Et puis les autres, je vais en mettre deux poissons sardinarants. Et puis je vais en mettre deux des bouillettes vertes, des bouillettes mystère pour l'instant. Voilà. La bouillette mystère, elle a fait un poisson cette nuit. Je vous la dévoilerai plus tard. Elle est en test. Voilà. Donc. Eh ben, je vous dis à plus avec un poisson, je l'espère. Et puis, je vais vous faire voir mes fils solubles comme je les ai fait, avec des bouillettes coupées. Allez, je vous fais voir ça tout de suite, mes amis. Bouillette prête. Une entière et quatre morceaux. Bouillette coupée avec du fil soluble. On va les accrocher ce soir sur l'hameçon. Et puis ça va être bon pour cette nuit. Comme la nuit dernière, au fil soluble. Voilà mes amis. Bon, et ben la deuxième nuit nous a rapporté encore deux autres poissons.
deux beaux poissons, hein, deux magnifiques poissons. Vous allez voir, il y en a une qui fait plus de 11 kilos, je crois. 11, 12 kilos, je ne me rappelle plus. Parce que je ne les ai pas pesés. Je les prends la nuit, puis c'est très compliqué. Donc, j'ai réussi à vous les mettre en sac, et puis je vous les faire voir. Donc, toujours avec la Monster Mucel. Hein. Je ne sais pas, elle voulait que de ça. Et pourtant, j'ai pourtant essayé les poissons sardines à rang. Elles n'en ont pas voulu. Allez, je vous fais voir ces deux magnifiques poissons de la deuxième nuit. Magnifique gros poisson, hein. Bah, peut-être presque kilo. Ah, un beau poisson, hein. Je vais vous la faire voir de l'autre côté. Parce que le gars est lourd, hein. Mais oui. Allez. Allez, viens, ma mère. Après, je te relâche tout de suite. Magnifique gros poisson. Hein. Deuxième poisson de l'année, la deuxième nuit. On se kilo. On va la faire voir sur la deuxième place. Hein, mes mères. Allez, puis après je tourne, je vais. Allez, un petit bisou du matin. On va prendre soin de cette petite bête. Magnifico. Allez, la danse du matin. Allez. Je vais te lâcher, là. Je suis à toi. Un petit 48 heures qui s'achève, donc je suis désolé pour cette petite intro à la maison, hein, car j'ai pas pu les faire là-bas, j'ai eu des problèmes, donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, puis je vous amènerai sur un autre plan d'eau, hein, sur un autre plan d'eau, que un très gros plan d'eau, hein, avec un nouveau secteur, voilà. Donc, je vous dis à bientôt, et surtout, abonnez-vous, hein, mes amis, ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie toujours, mes abonnés, hein. Tous ceux qui me suivent, un grand merci. Un grand merci. Et suivez-moi, abonnez-vous, c'est gratuit. À bientôt, mes amis, pour une prochaine session.